bien. Excellent. Puis voilà, je vais utiliser hier. Je vais utiliser enfin fièvre et je vais invoquer Thor. Et je vais me soigner avec Sophia. Pas mal les dégâts. Ça vient. Allez. Excellent. Ok, n'est plus paralysé. Ça, c'est une bonne chose. On invoque Apocalypse. Puis Météor. Je vais utiliser Tornade. Et je vais attaquer normalement avec Sophia. Normalement, il devrait être mort rapidement. Allez, Météor. J'adore cette scène d'invocation. C'est comme un apocalypse qui tombe par le ciel. Et le crapaud sort est éliminé. Bien, Ivan passe au niveau 21 et il maîtrise Impact Mass. 3200 pièces d'or ainsi un cristal psy, c'est déjà pas mal. Et il demande de l'aide en plus. Quel culot. Vil serpent, bien dit. Ah. En plus, il nous commande. On va l'aider, on est de bons gens. Voilà, c'est déplacé. Garé. On sait, il voulait nous tuer, mais bon. Voilà, Hamet a parlé. Je suis d'accord avec toi, Garé, sur cela.
Bonne idée. Il a kidnappé Hamed, il l'a enfermé ici. Il nous dit qu'on nous sommes... J'abandonne. Ce type-là est récupérable. Oui. Ah, son père qui arrive. Quel genre de service? Bonne question. Ça semble très logique. D'accord, allez. Quelle humeur. Eh bien, tu as prouvé. Tu nous as aidé énormément. Eh oui.
Oh, c'est trop marrant quand même. Allez, puisque maintenant on a sauvé Ahmed, la ville, les boutiques de la ville ont ouvert. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant. Je vais montrer les trucs inutiles. Il y a d'autres choses. 45 000 pièces dans ma poche, déjà pas mal. Regarde-moi ça. Il y a pas mal d'objets à récupérer ici. Je vais prendre un ticket avec plaisir. Attendez, je vais vérifier un petit peu mon inventaire. Langue sacrée, je vais le donner à Sophia. Ce sera un bon investissement, quand même. Voyons voir. Épée longue. Lance corrosion. S'il y a de mieux, une hache qui lance mirage. Je crois bien que qu'elle est maudite, donc je ferais mieux de laisser d'à côté. Il a une lame qui est, je pense bien qu'une hache ira bien sur lui. D'accord, pour la lame tueuse, je la revends. Et hop, un autre ticket. Et je pense bien le shamshir, je vais le donner à Vlad. Voilà, je crois bien qu'on est. On est bien là. Voyons voir pour les armures. Il y a pas mal de choses ici. Dis-moi là. Attendez. Voilà, je pense que ça devrait régler. J'ai une maintenance en cours. C'était planifié, mais bon. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Une robe. Je vais le donner à Sophia. Un autre ticket. Bien, voyons voir. Le gant de fer. Booste l'attaque. Je pense l'équiper à à moins que je vais donner à Vlad. Un autre ticket pour Garret. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Pour le moment, il n'y a rien.
Une lampe d'argent. Non, pas intéressante. Mais par contre, les bracelets d'argent, si. Ah, mais on en achète. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. On est bien là. Excellent. Bien, voyons voir. Ah, on doit partir d'ici. Allez, on retourne vers la caverne. Appuie sur l'interrupteur. Le temps que mes jeans soient liés. Ouais, voilà, pour une fois, mes stats. Vlad a déjà franchi le cap des 300 dans l'attaque. Pas mal. Nous avons quelques défenses équilibrées. Déjà bien. Allez, on assiste à une petite scène. Non, je pense pas. Ah, j'ai soif. Je vais boire encore une fois. Ah, c'est bien. Garé, arrête quand même. Bonza. Quel drôle de nom. Oui, je viens juste de dire Ponza, joli Ponza. J'ai trouvé cette caverne par pure coïncidence. Qui aurait pu croire ça? Très bonne question. Parole de sage. Thank you.
Ah bon? Ah oui, ça explique tout, ouais. Ouais, t'es effrayé. Intéressant. Faut fuir. Non. Ah, d'accord. Un chariot. Transporter pour nous transporter tous. Bien, Bonza. Pour le moment, normalement, je devrais prendre le chariot, mais je vais rester. Je vais dire non. Oui. Voilà. Elles vont rentrer très bien, t'inquiète pas. Ils vont s'en sortir. Ne vous en faites pas. Allez, allons-y. La raison pour laquelle je suis resté et non pas partir avec Bunza et Hamet, c'est parce que je dois retourner à la forteresse de Lunpa. Pour une raison bien particulière. Je vais utiliser le camouflage, encore une fois, on traite. Il y a un élément très important que j'ai laissé derrière. Allez, on va battre avec ce garde. Allez. Ragnarok, Longfeu, Biz et Écume. Ça va faire mal. Et il est éliminé. Qui est le prochain à gagner le niveau? C'est Vlad. Bon, pas encore.
Ouh, c'en était une! Croyez-moi! Allez, pour qu'on en finisse rapidement en un seul tour. Ça fait mal! Ah non. On parle avec Donpa. Et il va nous récompenser. Créature? Bah, c'est un djinn de Mercure. Faut pas le laisser derrière. Et nous avons Celts. Voilà, on va donner à Sophia et on va lier son sixième djinn qui va changer son grade ou bien sa classe d'évêque à saint avec un énorme boost un énorme boost de stade. Excellent. Allez, on va utiliser la synergie fuir pour sortir d'ici parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et voilà, on a sauvé Ahmed, on n'a plus rien à faire ici à Lunpa. Allez, on retourne vers Tolbi. Et puis de là-bas, on continue notre quête principale. Voilà. Ouf, enfin c'est fini. Des monstres à combattre, mais on va fuir. On va pas traîner avec eux. J'aime pas beaucoup traîner. Allez, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Y'a rien à faire ici. Retournons vers la caverne. Cette fois-ci, on va pas faire le tour. On va prendre un raccourci. Pas ici. Utilise la synergie soulevée. Puis voilà. Alors, on va fuir. Puis maintenant on va retourner vers Tolbi. Non, je pense bien que je vais continuer mon aventure. Ouais, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Et on va fuir ici. Et on y va vers le passage de Gondovan. Et on trouve notre cher ami Yodem qui nous attend après si longtemps. Allez, on va les combattre rapidement. Allez, pour qu'on en finisse. Excellent. Et on arrive à Suhala.